Qu'est-ce que vous pensez de la propreté à Paris ? Eh bien, à Paris en général et dans le 5e arrondissement peut-être en particulier, je trouve qu'il y a un certain manque de propreté. Je trouve que lorsqu'il y a des détritus qui traînent, ils traînent souvent pendant un certain temps. Et ça, c'est vraiment dommage pour une ville comme Paris, qui est une ville touristique, en principe, qui devrait être propre pour attirer déjà les touristes. La mairie de Paris ne fait certainement pas le nécessaire, parce qu'il y a d'autres villes que je connais en Europe qui sont beaucoup plus propres. Moi, j'habite un secteur, mais c'est horrible. Là, l'histoire de propreté, c'est sale tout le temps. Mais c'est dégoûtant. Et puis, comme la saleté appelle la saleté, apparemment, tout le monde s'en fout. Dans mon secteur, on sort les poubelles très tôt le matin. On retrouve des déchets qui sont sortis des poubelles. Dans la rue Pascal, sous le pont, c'est vraiment sale. Hein. Ça sent l'urine, il y a des excréments, il y a des matelas. C'est quand même assez touristique, le coin. Il y a beaucoup de touristes qui viennent. Face à ces insatisfactions, ces inquiétudes et ces incompréhensions d'habitants, Florence Berthou, la candidate du rassemblement UMP, MoDem, UDI, pour la mairie du 5e, vous propose ses solutions.